Le festival Tête de Bois vous attend pour un mois à l'espace Tonquin de Villeurbanne. Entre théâtre d'ombre, conte et cirque, les spectacles se succèdent et embarquent petits et grands dans le monde fabuleux du théâtre d'objets et des marionnettes. Et nos cœurs cognent à fond, ira-t-on jusqu'au pays. La Coupe du Monde de Télémark fait étape à Pralognan-la-Vanoise les 25 et 26 janvier pour une épreuve de sprint ainsi qu'une classique. Les courses commencent le vendredi dès 9h15 et le samedi dès 10h30 à la Combe des Bieux. Programme complet sur pralognan.com. Amoureux de nature, rendez-vous à Chalmazel dans les monts du Forez. La station ligérienne vous accueille jusqu'à fin mars pour en famille ou entre amis prendre un bol d'air frais et faire au choix. Ski, snow scoot, snowboard, luge ou raquette. La foulée blanche fête 40 ans cette semaine sur le plateau du Vercors. Course de ski de fond les plus populaires de France, elle propose en 4 jours 7 épreuves pour parcourir le domaine nordique d'Autran et Audre. Mercredi, coup d'envoi avec nos lycéens régionaux. Le domaine nordique de Pradebout Haute-Planèse propose des sorties en ski de fond ou ski alpin, des circuits raquettes, des pistes de luge ou fat bike, et bien sûr la beauté d'une station cantalienne au cœur du parc naturel régional des volcans d'Auvergne. Le club de ski loisirs de Bourg-en-Bresse organise chaque dimanche des sorties de ski alpin en Savoie et Haute-Savoie. Profitez seul, entre amis ou en famille de ces sorties jusqu'au 7 avril. Les départs se font tous à Bourg-en-Bresse.